Bonjour, je dédie cette vidéo à Jean-Pierre. En effet, c'est Jean-Pierre qui m'offre cette magnifique, sublimissime hélice en bronze, quintipale de 100 mm. En effet, lorsque j'ai récupéré l'Ulysse 2, il était monté avec une petite riquiqui de counette, hélice quadripale, qui n'aurait jamais été à la hauteur du D10 que ce bateau va recevoir, D10 exceptionnel que vous connaissez par ailleurs. Jean-Pierre, qui est un touche-tout de génie et dont vous avez déjà, je l'espère, vu l'atelier sur mes vidéos précédentes, m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu veux de la puissance, tu veux du beau, je t'offre une hélice à la dimension que tu veux et au pas que tu veux. Du coup, eh ben, il m'a réalisé cette magnifique hélice en bronze qu'il a bien sûr équilibrée, taillée à la dimension que j'ai demandé, c'est-à-dire 100 mm. Et comme vous le constatez, elle rentre, vraiment c'est le cas de le dire, au millimètre dans l'espace qui nous est réservé. Mais au moins grâce à elle, j'aurai, je l'espère, le moyen de transmettre à l'eau la puissance générée par le D10. Encore une fois, je le rappelle, la vapeur, c'est le couple, et il est intéressant de tourner le moins vite possible pour sauver l'autonomie, conserver le plus de vapeur, sachant que de toute façon, les machines sont puissantes. Donc plus on peut mettre du gros diamètre, mieux c'est, mais quand on ne peut pas mettre du gros diamètre, on peut jouer sur le nombre de pales. Si votre 3 pales vous semble aller trop vite, passez à 4, et pourquoi pas à 5. En tout cas, voici une œuvre exceptionnelle qui brille de 1000 feux et que j'espère bientôt pouvoir associer au magnifique D10 que Max est en train de terminer. J'ai vraiment des amis extraordinaires, c'est une chance. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur et l'émotion que j'ai de partager avec vous ces beaux cadeaux. Au revoir les amis.